pas très battu. Bon allez, moi je vais y aller. Bonne soirée, c'était vraiment super. Bonne soirée. C'est demain. Moi aussi je passe. Ciao. Tiens, d'autres dingueries. Allez, suivante. Ok, elle est pas mal celle-là. J'ai déjà pécho avec la technique de Barney. Waouh. Sur ces toits là, tu lis ta propre anecdote? Non. Ah, putain. Genre ça a vraiment marché avec une meuf. En fait, de base, c'était juste un pari. Mais comme elle connaissait déjà la série... Parce que tu as eu la chance qu'elle ait la ref, hein. T'as ton briquet, Léo? Allez, j'enchaîne. J'ai déjà été... violé par l'un d'entre vous. C'est une blague, j'espère. Ça serait vraiment de la merde, mais je préférais que ce soit une blague. C'est peut-être Alex ou Jus, et ça expliquerait pourquoi elles sont parties. Je les vois pas trop faire ce genre de blague. Non mais, abuse pas, je fais pas ce genre de vanne. Bon, et bah, c'est personne alors. Bah, merci, hein, c'était super marrant. Mais non, mais bah, y a pas qu'une victime en fait. Enfin, on devrait peut-être commencer par chercher le violeur. Mais vas-y, dis-moi, c'est lequel de tes potes le violeur? Vas-y, monte pas sur tes grands chevaux là. Faut juste qu'on comprenne ce qui s'est passé. Hein. Non, mais tu veux quoi en fait? Tu veux que je te dise que c'est moi? Mais c'est quoi ton problème? J'ai plus une tête de violeur que toi en fait. Mais non, mais c'est pas ça, Maury. Enfin, c'est juste qu'en général, c'est plutôt toi qui vannes les meufs. Non, mais ça y est, je fais des blagues pas politiquement correctes et je suis un putain de violeur? Non, mais en plus, espèce de faux cul, t'es le premier à rigoler? Mais vous voyez comment vous parlez, là? Et moi j'en ai marre, faut que j'aille prendre l'air. Sam, s'il te plaît, reste. T'as vu la révélation, c'est normal que l'ambiance soit un peu tendue. Non mais excuse-moi, mais c'est pas mon délire de voir mes potes s'accuser les uns les autres de viol. Et c'est facile pour personne, Sam. Mais y'a un truc grave qui s'est passé, et faut qu'on comprenne quoi? Commençant par quand? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, perso, j'étais déjà au courant. C'était y a 3 ans, à la première soirée de la semaine de campagne. Non mais voilà, j'étais même pas là à votre soirée. Mais putain, mais... Ça fait 3 ans et personne n'a jamais rien su? Bah ouais, mais il y a des VSS tout le temps à l'école. Et la victime, bah, elle a pas forcément envie que ça sache. Surtout si c'est un pote qui t'a agressé. Je comprends, mais on a passé toute la deuxième année ensemble. Comment tu peux faire genre que tout va bien après un viol? Tout va bien, Ava? Ouais, ouais, ça va. Juste, il n'y a pas besoin de rajouter quoi. Je suis tellement désolée. C'est pas Ava. C'est pas Ava, c'est moi. Je suis désolée, en vrai, on aurait pas dû en parler. On s'en fout. Enfin, je voulais pas foutre la merde, c'est juste... On s'en fout, en vrai, j'aurais pas dû en parler. T'as bien fait de nous en parler, Lisa, arrête. C'est important qu'on en discute et faut qu'on voit un peu plus les choses au clair. Et toi, ça va? Ça te rappelle toujours rien? Tu parles de quoi, là? Tu parles du fait qu'on a couché ensemble cette soirée? Je l'ai pas forcé du tout, hein. Tu déconnes. Mais Ava, franchement, enfin, je vois pas Léo faire ça. Puis Lisa, franchement, t'avais beaucoup bu à cette soirée, hein. On avait tous beaucoup bu, en fait. C'est quoi le souci, là? T'insinues quoi? Attendez, je comprends vraiment pas, là. L'histoire, elle est simple, hein. On est rentré dans sa chambre, on s'est pécho, on a ken, c'est tout. Et à aucun moment, elle a protesté. Je sais pas pourquoi tu veux inventer ça maintenant, là. Pourquoi t'as rien dit avant? Mais t'es beaucoup trop bourré pour dire quoi que ce soit. T'étais juste censé aller accoucher, de base. Je comprenais pas ce que t'essayais de faire. J'arrivais pas à me dire que t'étais en train d'essayer de coucher avec moi. Je comprenais pas ce qui se passait, j'arrivais pas à réagir. Putain, pourquoi vous me regardez comme ça, là? Vous étiez pas là, à ce que je sache, vous en savez rien. Tu te rends compte de ce que les gens pensent de moi, là? Tu délires complètement. Calme-toi, Léo, s'il te plaît. Bien, on va en discuter tous les deux, pas devant Lisa, et tu me donnes ta version.
Si tu veux. T'as bien fait de nous en parler, Lisa. T'as rien à te reprocher. Et ça va nous permettre d'y voir un peu plus clair sur toute cette histoire. Je sais pas quoi dire. Moi non plus, je sais pas quoi dire. Je pense qu'il faut juste qu'on la soutienne. Non mais là, je me sens mal pour Léo aussi. Mais arrête! Arrête! Gros, depuis le temps qu'on se connaît, c'est juste sa parole contre la mienne, en fait. Et je sais pas ce qui lui passe par la tête. Moi, elle a vrillé, putain. Hé, Lisa, ça y est, t'es contente, là? Tout le monde me prend pour un violeur. Je te rappelle que c'est toi qui vas draguer à cette putain de soirée. Moi, j'en avais rien à foutre de coucher avec toi. Putain, mais ferme ta gueule, fils de pute. Mais casse-toi. Tu trouves ça normal de coucher avec une meuf qui vient juste de vomir 2 minutes avant? Non, mais c'est sûrement un malentendu. Enfin, c'est vrai que Lisa l'avait dragué toute la soirée. Mais putain, Amaury, mais lui cherche pas des excuses en fait. C'est juste Léo qui est con de pas avoir demandé le consentement à Lisa. Attends, mais tu me fais une leçon de morale? Mais qu'est-ce que tu connais plus que moi? Excuse-moi de pas savoir bien lire les signes, mais elle voulait me pécho 2 heures avant en fait. Putain, mais tu penses vraiment que toutes les meufs qui veulent te choper juste après, elles veulent coucher avec toi? T'es vraiment un énorme bouffon. Non, mais c'est quand même pas compliqué de demander si ou non la personne est ok. Pourquoi que ce soit qu'elle a pas demandé explicitement? Non, mais les gars, on nage en plein délire. Dites pas qu'à chaque fois que vous demandez, ah, excuse-moi, est-ce que je peux te mettre des doigts maintenant? Je sais pas quoi te dire, gros. Pour moi, c'est normal d'en parler. Surtout quand c'est la première fois que tu couches avec quelqu'un. Bah ouais, quoi, enfin, t'as peur de casser le délire en demandant? Au pire, la meuf te dit qu'elle n'a pas que tu parles. Et comme ça, t'es fixée. Mais vous êtes malade ou quoi? C'est tellement pas ça le souci, en fait. Qu'est-ce que t'as encore, putain? Mais gros, elle était pas allée toi, c'est lucide pour donner son consentement. T'es combien en somme? Tu couches avec un complètement bourré? Tu trouves ça normal ou pas? Elle était censée être portée jusqu'à son lit, putain, pas que t'essaies de coucher avec elle. Comme tu veux. Mais ça fait pas de moi un violeur. Mais tu comprends ce que c'est qu'un viol, gros connard? Non mais oh! Venez, on se calme, on essaie d'en discuter. Ah, c'est bon, j'en ai assez entendu, là, je me casse. C'est quoi, Lisa? T'as qu'à porter plainte, j'en ai rien à foutre! Casse-toi, connard! Je suis désolé, Lisa, je... Putain, mais quel connard! Je vois pas Léo faire ça. Je t'ai pas forcé du tout, hein. Tu comprends ce que c'est qu'un viol? Franchement, t'avais beaucoup bu à cette soirée. Tu te rends compte de ce que les gens pensent de moi, là? Tu délires complètement! Lisa, Léo, ça va? Ouais, ça va, t'inquiète, ouais, ça va. Tu t'endors debout, là, hein? Ouais. Tiens, Cléo. Merci. Bah alors, t'as pas d'inspi, Lisa? T'as toujours des dingueries à raconter, d'habitude. Pense à la césure. Dis pas qu'il se passe rien quand on n'est pas ensemble. J'ai pas réussi à en parler. Parler de ce truc qui m'est arrivé. Ce truc horrible qui arrive qu'aux autres. C'est difficile de mettre un mot dessus au début. Au début, j'ai cherché des excuses, j'ai cherché des raisons rationnelles de pourquoi ça n'a pas pu arriver. J'ai bien dû être consentante. J'ai bien dû le vouloir. Heureusement, j'ai des bons amis. Celle à qui je me suis confiée m'a dit « Tu pouvais pas être consentante. » Elle m'a aidé à mettre un mot dessus. Viol. Ce mot, c'est un chiffre. Un viol toutes les 7 minutes en France. Mais c'est loin d'être qu'un chiffre. C'est une réalité dans nos écoles. C'est toute la souffrance de toutes les victimes. Voici la mienne. J'ai commencé par me sentir absente. Je suivais mon quotidien machinalement, et puis je me demandais, est-ce que j'ai toujours été aussi fatiguée? Est-ce que ça a toujours été aussi difficile de se concentrer? Est-ce que j'ai toujours eu cette allure de cadavre? J'ai mis 3 jours à comprendre pourquoi je ne me reconnaissais pas dans le miroir. Alors c'est devenu une urgence de me débarrasser des souvenirs de ce soir-là. Les draps, les habits, la chambre, fallait que je brûle tout. Mais je suis pas arrivée. Parce que cette crasse, cette horreur, je vis avec.
Elle suinte de mes pores? Elle est coincée dans mes cheveux? J'étais plus sûre de savoir comment vivre. Comment respirer l'air qu'il a respiré? Comment dormir dans ce lit qui, même lavé, ne sera jamais propre? On m'avait tué et on me demandait de continuer à vivre. J'aurais voulu exploser pour que ce que je ressente se fasse enfin visible, qu'on voit sans que j'aie à dire. Il n'avait pas le droit de me faire ça. Il n'avait pas le droit. Et aujourd'hui, je suis en colère contre lui, contre tous ceux qui n'ont pas su comprendre et expliquer les mots consentement éclairé. Ces mots-là, ils veulent dire que si la personne en face, elle ne peut pas comprendre la conséquence de ses actes, c'est non. Si t'as insisté, si t'as marchandé pour qu'elle dise oui, c'est non. Si t'as pas demandé, c'est non. Je veux pas que vous détourniez le regard de cette souffrance dont on est tous responsables. C'est difficile à entendre, mais entendez-le. Que ça devienne pas difficile à vivre. Aujourd'hui, je suis là parce que j'ai appris à avancer malgré la honte. J'ai appris à porter seule la culpabilité d'un crime que j'avais pas commis. Aujourd'hui, je me suis encore tuée. J'ai peur que les gens me voient comme celle qui a foutu la merde, a détruit un groupe de potes, celle qui casse l'ambiance avec sa vidéo sur le viol, celle qui a détruit un homme. Celle qui est une victime. Moi, je suis pas qu'une victime. Dans mon école, j'ai organisé plein d'événements. J'ai travaillé dur pour mes ambitions. J'ai lancé des tas de projets en accord avec mes valeurs. J'ai fait la fête aussi, beaucoup. J'ai été heureuse, je me suis fait des amis en or. Je suis tombée amoureuse et je le suis restée. Voilà ce que je suis. J'aurais jamais en avoir honte. Ça va? Ouais, il est là, Léo? Ouais, je pense qu'il arrive. Il va pas tarder. Ah ben, il est là. Ça va? Je peux vous parler? Ouais.